Bonjour, je suis Dirk van der Linden. Je travaille pour Amon Suzuki en Europe et je suis le représentateur et le démonstrateur Amon. Quelques différents modèles qu'on a dans notre gamme. On a par exemple la série de SK Pro. C'est un SK Pro avec 61 notes. On a un 73 notes. Et on a aussi le SKX Pro avec deux claviers, deux fois 61 notes. Tous les trois instruments font exactement le même, mais il y a la différence de plus large clavier. Moins large clavier ou le double clavier. Il y a trois engines dedans du son. Par exemple, il y a 100 presets de Orc, pas seulement Amont, mais aussi Farfisa, Fox, et aussi Church Organ, Pipe Organ. Fantastique. Il y a un deuxième groupe avec 300 sons dedans. C'est split en piano et ensemble groupe fantastique avec les très chouettes contrebasses électriques, basses, pads, polyphonic pads, strings, électriques, pianos électriques. C'était possible de mettre 4 layers par son. Et c'était très chouette parce que comme ça, vous voulez enregistrer un fantastique son personnel. Et aussi un troisième groupe, c'est le monosynth avec 5 oscillateurs, tous les filtres, et c'est live on the spot. Alors, et l'idée en fait de SK Pro, c'était de travailler avec les combinations favorites de les quatre groupes, si tu veux. Et il y a 10 banques avec 10 favorites. Très fantastique, il y a les différentes sorties derrière. Une fantastique simulation Leslie. Un fantastique groupe de SK Pro série. Excellent. Et aussi un nouveau XK4. XK4, c'est Orc, vraiment Orc. Et le son, c'était justement oui, très chaud. Et c'est vraiment le tone wheel comme à l'époque. Il y a une 11 pin connexion aussi sur le SK Pro série, by the way. Et c'est 5 octaves, il y a un split, très chaud le son. Et aussi un XK5 encore, il est sorti de 2017 déjà. C'est notre flagship. C'est en bois, c'est vraiment 5 octaves, 1 octave à gauche pour les presets comme l'ancien B3. Il y a un préampli avec les vrais LOMP, tube amplifier et un digital. Il y a plein d'autres choses et c'est vraiment Orc, live on the top. Voilà. Il y a aussi encore le XK1C qui a déjà sorti 10 ou 11 ans passé. Encore très très populaire, aussi 5 octaves. Et bien sûr, on a aussi le B3 portable et le B3 classique encore pour eux qui veulent de mettre derrière comme à l'époque dans les anciens. Et bien sûr, le plus nouveau, les M Solo de Amont. Thank you.
petite histoire de Hammond. Hammond a sorti en 1934 déjà. Lawrence Hammond a construit une orgue spécialement pour dans l'église, pour l'orgue classique. Bien sûr, tous les musiciens jouaient dans le jazz, le blues, le rock avec Hammond. On est très heureux que ça existe encore. C'est le plus vieux marque d'orgue qui existe. C'est encore un de les cinq plus hauts marques dans le music business. Si tu dis un orgue ou tu dis Hammond, tous les gens connaissent un Hammond. Par chance, c'est déjà plus de 30 ans maintenant dans les mains de notre collègue au Japon. Et on a la chance qu'on a aussi les musiciens très jeunes, pas comme moi, mais les jeunes dans l'équipe qui comprend la musique populaire maintenant. Et c'était pour ça, pour exemple, les SK-Pro, c'est une fantastique populaire modèle sur le marché. Au niveau des cabines Leslie, on a quelques modèles. On a le fantastique 2101 MK2. C'est le top router avec quelques baffles. On a le même, il est portable en noir. On a le même 2103. C'est en bois. Vraiment fantastique bien. On a le 3300 avec le top router and the base router. Avec c'est environ 300 watts cette cabine Leslie avec les roulettes et tous. C'est le 3300P et on a le 3300WP. C'est le même Leslie mais en bois. On a aussi maintenant les deux nouveaux. C'est le Heritage 122 oh, 122H H de Hammond. Non, non, de Heritage. Et aussi un 142 Heritage. Le 122 et le 142, c'est comme à l'époque, les anciens cabines Leslie de 122 et 142. Et tu as un petit switch dans le 122 de changer le 122 Heritage dans un 147 qui est un petit peu plus agressif. Et avec le 142, tu veux changer ça dans un 145. C'est 11 pins. Mais avec on a un petit adaptateur. Si vous avez un ancien Orcamon, un Roophonic, et vous voulez un nouveau cabine Leslie, c'est très facile avec cette petite adaptateur. Tu peux connecter ton ancien Orc. C'est les deux sont 40 watts, mais full tube power. Fantastique, un petit peu lourd, mais excellent cabine Leslie comme à l'époque. On a en modèle de pédalier du basse, on a quelques modèles, le XPK130G. Le G, ça veut dire generator. Il y a quelques sons du basse dedans, contrebasse, électrique, basse et autres. C'est une octave. On a un octave et demi, le XPK200G. Et c'est avec toutes les deux, le 130 et le 200.
à les pieds comme à l'époque les L100 et les M100 pédaliers. Et on a aussi un XPK200 GL, Generator Large. Les notes sont un petit peu plus larges. Et on a bien sûr le pédalier en bois, le XPK250, le plus grand. Par exemple, sur le XK5 modèle, comme ça vous avez une orgue complète avec deux claviers. Ou c'est aussi possible de connecter ça sur un SKX Pro, par exemple, en connexion MIDI. Si vous voulez toucher un de notre modèle d'Hammond, venez et rentrez chez Sud Clavier et vérifiez les instruments. Tous les modèles sont là-bas. Sud Clavier, Pamiers, en France. Au revoir et merci.